U10, donc c'est le contrôle. Donc là, pour le contrôle d'emblée, U10, donc donne le nom des aliments. Donc l'œuf, le biscuit, la cerise, la banane, la pomme et le gâteau. Donc vous faites ici, vous écrivez, essayez de ne pas oublier le déterminant, donc A ou Han. Ensuite, complète la phrase. It's sweet, six food. Fish, breadies, mealy soup, un milk tart. Écoute, écris le tongue twister, donc je vous le lis. Chocolate chips, savory sugar and generous gems. Donc chocolate chips, virgule, savory sugar and generous gems. Chocolate chips, virgule, savory sugar and generous gems. Chocolate, chips, savoury sugar and generous jam. Voilà pour le tongue twister. Ensuite, c'est relier l'aliment à son nom. Donc là, vous reliez, hein, qu'est-ce qu'ils vont ensemble. Ensuite, créer les questions et les réponses correspondant à l'image proposée. Donc avec how many are there in the picture, donc dans l'image. Et en réponse, there are in the picture. Attention, s'il n'y en a qu'un, on se rappelle, c'est there is. Donc ici, vous me faites 5, enfin 4 autres phrases et 4 autres questions, puisque le cinquième, c'est l'exemple. Remets les étiquettes dans l'ordre, donc ça, on l'a fait aussi ensemble, hein, donc 2 questions et 1 réponse. Voilà pour le contrôle d'anglais. Merci.